Bonjour à tous, je me présente. Je suis le fondateur de La Coya depuis maintenant un an. Je vous remercie tous de nous suivre depuis maintenant une année. Ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs et donner la possibilité à tous nos joueurs de perf un maximum. Bonjour à tous, c'est Lucas, le fondateur de La Coya. Aujourd'hui, 17 août, qui dit 17 août dit les 1 an de la création de La Coya. Je tenais tout simplement à vous remercier, à remercier la petite communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux, qui suit nos joueurs, qui les aide à aller de l'avant. Je remercie aussi tout le staff qu'on a réussi à recruter récemment, qui nous aide à avancer beaucoup plus facilement. En mise au point sur la structure, on a réussi à mettre en place un pôle Fortnite assez polyvalent. On a des joueurs qui commencent vraiment à progresser au niveau des classements lors des cups, tout simplement. Comme projet qu'on a pour jusqu'au mois de décembre, on va essayer de développer énormément la Web TV. Voilà, encore merci à tous et j'espère qu'on arrivera tout simplement à exploser. Voilà, sur ce, bonne journée. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Skyren, je suis le cofondateur de La Coya. J'ai rejoint le projet Coya il y a à peu près 6 mois. Le projet était déjà bien avancé et moi j'ai rajouté ma touche personnelle. Au moment où je suis arrivé dans La Coya, énormément de joueurs étaient présents et du coup j'ai réorganisé tout le pôle Fortnite en décidant de virer une grande partie des joueurs pour garder une partie du pôle Fortnite assez restreint et plus structuré. Voilà, merci de suivre La Coya depuis un an et voilà. Yo les gars, c'est Heimdall, on me connaît plus sous le pseudo de Astral aussi. Je suis le manager Fortnite pour Coya et je fais cette vidéo pour vous remercier de ces un an que vous avez passé avec Coya. Franchement les gars, merci beaucoup. Même si moi je suis un manager qui vient tout juste de rentrer, on peut ressentir une fierté quand on entend Lucas parler. On voit qu'il a, il a vraiment aimé le projet Coya et je pense que ça va durer pendant plusieurs années encore. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, hein, on n'hésite pas. Il y a le Twitter, il y a le YouTube, on va aller voir, on va aller check. On se follow, on met la cloche, vous connaissez tout le blabla. Vous pouvez aller aussi me suivre sur mes réseaux à moi. On peut aller me suivre aussi. Allez, il y a mon Twitter. Et il y a mon Insta. Il y a mon TikTok. Allez-y les gars, followez en masse. N'hésitez pas. Et n'oubliez surtout pas les gars. Faut toujours garder la foi. Et protégez-vous aussi. Il y a le Covid. Ciao, ciao. Hey, salut, moi c'est Indra. Bon, je vais me présenter. Hein. Je m'appelle Luna, j'ai 15 ans. Mon pseudo sur mes différents réseaux sociaux, c'est Lindra. Ça fait déjà 2 ans que je suis dans les sports en tant que staff. J'ai fait plusieurs postes comme directrice générale, responsable staff, administratrice, modératrice, encore plein d'autres. Bon, j'en ai fait quand même pas mal, mais bref. Sinon, là, je débute en tant que manager, Fortnite, personnel, etc. Sinon, là, je suis actuellement dans La Coya en tant que manager Fortnite. J'aide les joueurs à chercher des duos, j'aide les fondateurs à chercher des coachs, des casters. Bon, je cherche un peu de tout, voilà, tout ce qui est en rapport avec Fortnite, le port Fortnite et tout. Sinon, j'espère accomplir de grandes choses chez La Coya et de les aider également à en accomplir. Sinon, je souhaite un très, très, très bon anniversaire à La Coya pour ces 1 an.